Bon, voilà, là on est parti, on est tous ensemble. J'ai cru qu'il allait faire un tuto make-up, c'est vrai. Ah, pour faire un tuto focus avec sa main. J'arrive pas à gérer lui. Donc là, il y a Pierre. Un peu comme JMBM. Lui, c'est l'allemand. Là. Là. Et lui aussi, il est suisse. Hein. Non, non. Elle m'insulte pas. Non, non. T'as grave un accent suisse. Grave là, là, c'est Bénur. C'est le. C'est the god of. C'est le mal alpha. Le mal alpha. Alpha. Là, il y a le petit Razanemera. Et là. C'est gros. C'est le gros de l'ours. Par contre, j'ai la bouche à côté du micro. À mon avis, ça va gueuler. Non, parce que t'es pas rajouté. Ouais, si, si, quand même. Là, je vous présente mon jambon, dans ma copine. Elle va faire un blooper. Bon, on vient de voir le cadre, j'ai caché, bon, vous verrez pas au montage parce que ce sera coupé. Mais ouais, donc. Oh, le vlogueur. Mais attends, ouais, ça, lui. On dirait un youtubeur cancer. Hey Hitler, à ton avis, c'est quoi comme vélo? Salope. Je dirais un petit summum, un petit Mindraker summum. C'est je sais que t'aimes bien mon vélo. Between, Rockrider. Ah ouais, Between. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est ça qu'on leur a fait croire que c'était un Hyperbis. Ouais. Oh, on t'a beau. Bon, ben voilà, on est parti maintenant sur un Kona Supreme Operator. Donc, on a le cadre, enfin le triangle avant en carbone. On a la biellette qui est en alu et carbone. On va vraiment le voir là. Et du coup, l'arrière est en alu. Donc, bah ben voilà. Et puis, ben, on va être parti pour le montage, quoi. Moi, je commence par la mortier. Vous pouvez pas faire la selle plus grosse. C'est Céleste. Oh merde. Ouais. Waouh. Dans la suite, il est censé mettre de la graisse. Bon, ça y est, ouais. Le vélo il est enfin monté. Il est beau! Tada! Voilà le final. Ah! Attends, attends, attends! Bon les gars, ça y est, le vélo il est entièrement monté, il y a 2-3 réglages à finir. Bah franchement, parce que en fait comme c'était mon cadeau de 25 ans, merci, un énorme merci à mes potes qui sont juste derrière, deux qui sont derrière. Salut. Deux qui sont partis tout à l'heure, il y en a un qui est pas là, deux qui sont partis, mais pas là non plus. Donc un gros merci, et non, ça va être le feu. Alors à ce qui paraît, le Supreme Operator il est tout aussi race que le V3, un peu plus joueur. Donc franchement ça va être de la folie. En termes de poids, j'ai pas le poids exact, on s'en fout, c'est un DH. Mais déjà, rien qu'en l'ayant pesé, il est un peu plus léger, donc franchement, il est canon. Donc là, voilà, c'était la petite construction du bike comme ça pour vous. Et puis, je vous ferai une petite vidéo avec un peu de musique,
avec une musique et un mode edit quoi. Un mode plan détaillé, enfin un truc plus propre quoi. Donc allez, voilà. C'est toi le chat. Bâtard. Donc sur ce, moi je vais monter la vidéo ce soir pour que vous l'ayez samedi dans la journée. Et ciao les gars.